4 jours d'installation, 5000 litres de glace, 35 patineurs et 300 costumes, c'est ça Holiday on Ice. Pour l'instant, les artistes répètent sur la glace du Zénith à Strasbourg, mais ce soir, il n'y aura plus de filet. La troupe présente un tout nouveau spectacle, Tropicana. Tropicana, c'est un mélange de la tradition d'Holiday on Ice et de nouveautés comme on le fait chaque année. Donc cette année, on a Philippe Candeloro dans le spectacle, notre fil conducteur, donc on le suit au fur et à mesure, qui nous emmène jusqu'au final. Et puis bien sûr, le traditionnel d'Holiday on Ice avec la grande roue, les patineurs et bien sûr toutes les prouesses techniques que l'on peut imaginer. La tournée a débuté il y a déjà 6 mois. Après l'Allemagne et la France, le show va traverser une vingtaine de pays. Sur la glace, des artistes de 25 nationalités. Il y a beaucoup d'Américains et de Russes. Donc c'est vrai qu'Américains, Canadiens, après il y a tous les pays de l'Est. Je sais qu'on est on est à peu près 12 Européens. Oui, ça c'est sûr. Donc Français, Anglais, Allemand, Italien. Hongrois. Hongrois, Polonais, Slovaque. Une véritable auberge espagnole qui oblige les francophones à faire quelques efforts. Si on ne parle pas trop anglais, et ben, on se débrouille et on fait des progrès parce qu'on n'a pas le choix, parce que ce soit pour communiquer entre nous ou que ce soit pour communiquer avec nos boss et puis même sur glace, pour hein, le quand, on a, quand on a nos entraînements, nos entraîneurs nous parlent en anglais, c'est uniquement en anglais. Donc on apprend sur le tas. 65 ans que ça dure, Holiday on Ice est aujourd'hui une marque de fabrique reconnue dans l'univers de la glace. Le show est même entré cette année dans le livre des records des spectacles les plus vus au monde, accumulant 320 millions de spectateurs. Je pense que c'est le meilleur spectacle sur glace du monde. On a des patineurs exceptionnels qui font des prouesses techniques sur une glace qui varie de dimension. Ils font ça tous les jours. Voilà ce qui fait qu'Holiday on Ice dure. L'équipe de Holiday on Ice reste jusque dimanche à Strasbourg. Les 5 représentations de ce week-end ne sont pas complètes. Assister à l'un des meilleurs shows sur glace au monde à un prix, c'est 68 euros, plein tarif.